Salut à tous, c'est Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Pro Street. Donc, comme vous pouvez le voir, on va aller directement défier l'un des rois, justement. On va défier l'arène du sprint. Donc, pas tout de suite, parce que comme vous le voyez, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais on va commencer déjà par le premier niveau. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu modifié, bien sûr, ma GTO de 65. Bien entendu, elle n'est pas encore terminée. Il manque encore à mettre la peinture. Donc on va pouvoir commencer. Voilà. Ah ouais, on a quand même de bons adversaires. Bon. Ok, je crois que ça va durer quelques instants. C'est parti. Ah, j'ai pas fait un incroyable. Milliseconde 21. C'est pas mal. On commence fort, tranquillement. Je ne vous apprends rien. Allez, on passe au GT500. Ah ouais, c'est toi. Ce pilote c'est un fou furieux, et il est le plus rapide en course, c'est un des pilotes les plus passionnants à voir. Mais c'est qui nous en plus mal. Ah, il m'énerve pas là. Allez, quelques applaudissements, c'est bon. Pour celui-là, ça va, en quelques courses ça risque d'être vite fait. La reine du sprint, Carole Monroe de l'écurie Aftermix, est ici en personne. Carole est une légende du 400 mètres et sa Mustang est la plus rapide des voitures homologuées en Amérique. Regardez-moi ça, elle nous fait même un petit burn, rien que pour le plaisir. Vous avez vu toute cette fumée? Waouh, alors ça j'y crois pas. J'y crois pas. Et pourtant j'en rêve pas, je sais lire un résultat. Et Joe. Allez, pour la course suivante. J'ai fait mieux que tout à l'heure. Je pense que franchement quoi, en 4 courses, 3-4 peut-être, on va dire plutôt 4, franchement on a raté tout ça. Et bien sûr je reviendrai peut-être plus tard en dehors de la vidéo, peut-être pour faire les autres. Bon là je trouve quand même que c'est un peu
un peu répétitif, n'est-ce pas? Il y a eu un bug, mais bon. Encore. On a encore gagné une course, donc il doit plus rester. Nous découvrons de nouveaux visages aujourd'hui sur Rockspeed, avec notamment Ryan Cooper, un pilote assez prometteur, ma foi, ne serait-ce qu'en raison de son passé de roi de la suspension pour la GTO. Aujourd'hui, les courses sont niveau 4, ça c'est cool. Franchement, c'est génial. Je le reconnais, c'est il reste encore un. Ah, c'est ça. Alors, quelle surprise! Ah non, 11! Ouais, donc en gros, une course encore. Ah, j'ai un super pilote à côté de moi là! Oh, on va faire un petit 800 mètres à l'époque. Voilà. Au moins, comme ça sera fait. Oui, je crois que la première course est évidente. Aucun cadeau! Ah oui, je crois qu'on va avoir un bel affrontement! Ça va plutôt assez vite. Voici un véritable spécialiste de la catégorie. Faites un triomphe à Paul Tracht. Sur le 80, il a surpris. J'adore pas le pilote à côté, je vous le dis. J'adore le verre de la campagne du petit matin. On va pouvoir y aller. Pas sûr que j'ai fait mieux, non, c'est pas fini. Donc voilà, une première compétition de fête. Surtout, ce que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas aussi à voter Tiens, vous savez combien de fois Joe t'inquiète pour les voitures que vous voulez voir. Moi-même, j'ai pas la réponse. Mais d'abonner avec vos modifications désirées. Oui, je mets quelques voitures à disposition. Alors, vous pouvez choisir aussi bien toutes les voitures c'est plus fort que lui. Concernant du jeu. Participe. Donc, okay, il y a quand même un très bon choix. C'est un pilote de grande classe. On est content de l'avoir parmi nous. Et avec sa voiture en plus. Et surtout, si j'ai beaucoup de personnes pour venir. Pour y participer justement à choisir les voitures et tout, je ferai un let's play, si vous voulez bien entendu, avec uniquement les voitures que vous aurez choisies entièrement. Donc en gros, il y a à peu près 31 voitures
Si vous voulez, vous pourrez choisir 31 voitures différentes à me okay, faire jouer avec. Ce n'était qu'un petit aperçu de notre Donc ça me dérangera ici, pas dans le plein des cas, de Chicago. Si vous voulez plutôt que je fasse un let's play à part, moi ça me dérangera pas. Donc c'est pour ça, en quelques let's play, logiquement, ça va être plutôt assez rapide, donc ça va. Pour le moment, j'ai pas forcément toutes les voitures que je désire pour pouvoir faire bien le let's play, parce que bah, malheureusement, c'est les meilleures voitures sont disponibles uniquement qu'à la fin. Je sais pas où spoiler non plus quelle voiture j'aurai exactement. Pas vous spoiler, mais il faut bien que j'attende à la fin justement des React Team, que je batte la finale des React Team Session justement pour débloquer ces voitures là. Ne vous inquiétez pas aussi par la décoration de la voiture, je vais prendre quelques minutes pour pouvoir la faire. Mais je la ferai peut-être pas en ce moment, je la ferai peut-être un peu plus tard. Ça me donnera un peu plus de temps. Jamais fait de passer à vitesse et mettre la nitro juste après. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Takeshi Sato du team Apex Glide est avec nous lui aussi. Hey Tak, tu n'humilies pas trop les autres cette fois, d'accord? Takeshi est tout de suite très agressif dès qu'il prend le volant de sa... Allez, deuxième course. Je rajoute les participants, ouais. Bon. La Civic 90 ans. Allez, au suivant. Allez. Super adhérence. D'accord, bon. Alors,
7,73. Ah bah là j'y vais fort. Alors, comme ça, ça va calmer un peu les ardeurs. Là, au moins il y a un bon passage. Excusez-moi. Alors. Oh, kit pneumatique de niveau 3, je vais pas faire une niveau 4. Ok, c'est il reste 15, ouais. Ah, s'il vous plaît, j'ai une annonce importante à faire. Le staff de Rockspeed insiste pour que vous fassiez tous preuve faire de prudence et de modération au volant. S'il vous plaît. Même si je suis pas sûr que ça ramène grand chose. De toute façon, je pense qu'il en faudra encore une autre. Donc, même si ça a été cool, si mais bon. Eh oui, 400 mètres. Vous voyez, parfait. C'est parfait ça. Voilà, comme ça je suis sûr d'être en tête. Au moins comme ça c'est fait. Bon, malheureusement je sais bien qu'on peut essayer de faire un peu mieux hein, que 400 hein. Mais bon. Là c'est pas un concours de vitesse, là c'est le premier qui fait le grand temps. Là je reste toujours un peu à l'écart. Mince, pas gentil ça. J'aurais préféré quand même que ça fasse au moins 405, au moins ça serait bien. Pas 400, mais ça 405. Et mince. Bon, mais c'est pas grave, on est à 400. C'est déjà pas mal. Même pas 10 000, donc du coup, il nous reste encore au moins 6 alors à faire. 6 000. Donc, encore une autre course, mais c'est ce que je disais. Ok, voyons voir. Alors, dans l'immédiat, nous allons. Alors, on va faire un petit 400 mètres. Oh, une seconde. Voilà. J'ai fait un mauvais départ, pas un faux mais mauvais. Faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même 20 secondes quand même de... Enfin, 20 centimes de seconde que j'aurais pu te dire qu'on me rattrape, donc faut quand même faire attention. Je crois que vous allez adorer le face-à-face qui va suivre. Voilà, bon, comme ça, on a bien redescendu 7,68. Là, au moins comme ça, ça fait du bien.
un bon record. C'est pas mal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Non, tout de suite. Oui, je vois 7500, ça. Ouais. Oui, qu'est-ce que je disais Vous voulez donc, que je voilà. Des sprints des plus fous que j'ai ça, jamais vu bon, toute ma vie fait. Il y avait dans le temps une bande de dingues qui bricolait des petites voitures, genre des petites Toyota pour les transports. Donc on va passer à la troisième, la quête. Et après ce sera la reine sprint. Après ça sera la reine du sprint à battre. Donc il reste plus beaucoup. Vous êtes bien où vous êtes, croyez-moi, c'est pas le moment de bouger parce qu'on vient seulement de voir les qualifs et le pilote suivant est déjà prêt. Donc à on va faire 2-400 mètres dessus, ça sera fait. Il y a quand même de bons adversaires quand même. C'est parti. Voilà, on commence bien. On commence très très bien. Et j'espère au moins qu'on pourra, oh, on fera peut-être aussi la reine directement, quelques fois courses pour la reine. Ça c'était la fusée 8-10, mais j'étais un peu lent. Allez, dernier. Allez, on y va. Mince. Ah, celui-là j'ai totalement foiré, mais bon. J'ai eu de la chance. Parce que là c'est vrai que les adversaires sont bons là cette fois. Par rapport aux autres, ceux-là ils sont pas mal. Alors ça c'est un vrai coup de tonnerre. Greg Wright, pilote du team Aftermix, qu'on disait pourtant invincible, a chuté face à... Allez, suivant. C'est avec sa GT500 là, Josh Mason. C'est celui-là qui va se méfier ça. Je vous présente... Je me suis fait doubler par Josh Mason, je l'avais dit. Je l'avais dit. Honnêtement,
faire passer devant. 7,84, ça c'est bon en fait. Allez, un petit dernier pour la route. Au suivant. Ah, j'étais en train de regarder au loin la skyline de Paul Trask du team Apex Glide et je n'étais pas le seul d'ailleurs. J'aimerais bien comprendre pourquoi la marque pneumatique de niveau 4 enfin. Yes. Gauche, évidemment, ça aurait rendu ça c'est très bien ceux qui l'ont emporté à prix d'or, mais ça aurait quand même été cool. C'est une de mes voitures préférées. Alors je vous le dis tout de suite, concours de roue. À cause de Paul, je ne vais pas. Comme ça, ouais, ce sera peut-être pas si mal. Je pense que si c'est bon, mais bon. Le problème, c'est que j'aurais voulu essayer de faire un peu mieux. Attendre un petit peu quand même dans le... Bon, je crois que là je vais pas faire autant hein, malheureusement. Je pense que vous allez apprécier le tête à tête qui va suivre. Fan de muscle car américain, vous allez... Yes, 409. J'ai battu le record, c'est cool. Ouais, il a rien 10 000, c'est pas si mal. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Je regarde quand même combien il reste. Fais la mission, ouais, on va faire un petit 100 mètres avec le mien. Voilà. Moi, je pense qu'on battra l'arène. Il n'y a que 3 courses, donc je pense que je peux bien essayer de dépasser un petit peu. Dans le pire des cas. La bosse ici. Bon, ça, on est devant à peu près avec une seconde d'avance, c'est bien. Attention,
dans ce 400 mètres et de folie, je crois que c'est le pilotage qui se fait. Ça, c'était pas très bon, franchement. C'est vraiment dommage. C'est un peu parce que pour éviter encore d'endommager encore un peu plus la voiture, ce qui serait vraiment dommage. Et donc maintenant on peut s'attaquer à la reine du sprint, qui est d'ailleurs la seule, l'une des seules filles du jeu. Aujourd'hui au sprint sur Rock Speed, elle va devoir donner le meilleur d'elle-même. Oh, je crois qu'elle va être super cette course. Alors, est-ce que vous avez vu que... Tu peux le braquer vers moi, le machin. Kit de nitro de niveau 3. Non, j'aurais préféré le niveau 4. Ok, ça y est, je vois mieux. On peut reprendre. Voilà, on bat la championne tout de suite, donc c'est un concours de roues, on commence les 400 mètres et on finit par 800 mètres, d'accord. Bah, s'ils veulent, comme ça au moins on abat la reine. Ok, chers spectateurs, le moment est important, voici venu l'heure de la course. Allez. Nous allons vivre dans quelques secondes le match de l'année, les amis. Un match qui va opposer la reine du sprint et Ryan Cooper. Oh, regardez-moi ça, Carole Monroe fait chauffer ses pneus. Vas-y, chauffe. Ah, oh, elle sait aussi faire le spectacle, Carole Monroe. Oh ma parole, ça va être une tuerie. Attention, de la reine du sprint est en jeu. Wouh, elle est prête. C'est parti. Allez hop, on commence déjà dès le départ. Moi comme ça, c'est fait. Encore. Ah non, j'avais fait 408 tout à l'heure. Ah. Le petit dernier pour la route. Thank you.
Ça va. Allez, la deuxième course. Vous avez vu un peu la classe de ce mec ? Ah, Ryan Cooper a fait très fort, il a fait exactement... Allez. Je vais pouvoir la plumer facilement. Ouais, parce que si vous avez une voiture qui va dans à peu près 8 secondes, c'est parfait. Hein. Franchement, vous êtes sûr de l'avoir. Bon, elle peut jouer dans les 8-50 ou 9 secondes, à peu près, c'est vraiment vrai. Hop, une fois de plus. Vous voyez, 8 secondes 89, 9 secondes 83, vous voyez, 9-10 secondes à peu près, donc vous avez largement une petite marge. Si vous avez plutôt une voiture qui fait à peu près dans les 8 secondes, 8 secondes 10, vous êtes pas mal là, franchement, vous êtes sûr d'avoir la couronne. Voilà. Et la petite dernière course en 3 manches pour finir tout ça. Honnêtement, je ne suis pas très surpris, mais quand même, quel événement pour Carl. Un petit 800 mètres pour finir. Et après, on aura la Mustang plus de l'argent, ce qui sera très bien. Derrière moi, mais bon, peut-être que monsieur l'éclaire un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Vous aimez les dégâts de vie, vous n'allez pas être déçu. Voici Carole Monod. Il s'est battu dans votre de gagner tranquillement. Et la petite dernière avant la petite Mustang. Thank you.
Et voilà, on a la petite Mustang. En cadeau. On a battu l'un des boss, ce qui est génial, franchement. C'est cool. Alors, je pensais pas non plus le faire en une vidéo. Je pensais plutôt le faire en deux vidéos. Mais bon. Non, j'ai dit, je vais plutôt faire comme ça. Et pourtant, Ryan Cooper vient de s'en emparer avec la Mustang en prime. En cher spectateur, vous pouvez saluer le duel formidable que nous venons de vivre. Et ouais, une Mustang de gagner, plus, je crois que c'est 40 000 d'ailleurs. On est le roi du sprint. Ce qui est cool. Ah non, 50 000 en récompense. Je croyais que c'était 40, non c'est 50. Ah, excusez-moi. Voilà, donc bon. Donc écoutez, ben, je crois qu'on va rester là pour cet petit épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, à partager et à dire aussi dans les commentaires quelle voiture vous voulez que je conduise dans ce let's play. Et si jamais vous voulez que je fasse un let's play spécial voiture abonné, donc n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Et je ferai dans ce cas-là, je ferai un let's play spécial abonné. Voilà, dans ce jeu, rien que pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, comme je dis, à laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.